Santé. Avec une surface de plus de 10 000 mètres carrés, ce data center s'inscrit dans la continuité de la souveraineté européenne. Telehouse l'a inauguré à Manille-et-Hamo ce lundi 2 octobre en présence du ministre de la Transition numérique et des télécommunications. Nous avons là un centre de données qui va être destiné en priorité aux acteurs souverains, à des Dassault Systèmes, à des Thales qui sont géographiquement assez proches d'ici, puisque nous avons un territoire qui est très numérique et très fortement marqué par la souveraineté numérique. Fuel végétal, absence de gaz frigorigène, le data center se veut éco-responsable en mettant en place des actions concrètes pour réduire ses émissions de gaz. Quand on émet du CO2, c'est notre responsabilité de tendre vers le réduire. Et c'est le cas pour les data centers qui consomment beaucoup d'énergie, qui consomment beaucoup d'électricité. Donc notre responsabilité, c'est de prendre ce sujet à bras-le-corps et mettre des actions concrètes qui permettent d'arriver à zéro CO2 pour cette activité. Parce que l'essence même du numérique, c'est de décarboner l'économie. C'est-à-dire de réduire les flux physiques qu'il y a sur Terre et de les passer sur le numérique qui devient décarboné. Donc pour faire ça, on a une obligation et on essaie de remplir cette obligation. En voulant contribuer à un avenir plus durable, Telehouse s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2026.